digging holes, hiding things inside. When I grow older, I won't forget the fire. So I'll get memories and travel like gypsies in the night. Bonne chance à vous, bonne chance. Nous vous souhaitons une 7e finale.
Et la première danse, c'est la bachata. Thank you.
soirée. Thank you.
来丹内打龙Monsieur Sopis. Je lui dis bah
oui, ça passe, mais c'est pas la question que ça passe, c'est que tout seul ça passe, à deux, on va se planter, quoi. Ouais. Allez, Alexandre, allez, Paulina. Merci.
mind, so I can't go in town. My brother is getting wood, my sister doesn't care. The car is leaving for can't go anywhere. Mañana, mañana. The sausage is dripping and the friend is falling down. My brother needs some money, so I can't go in a town. My brother is being working, and my sister doesn't care. The pride is in the motor, can't go anywhere. Mañana. Party's on the car! Excusez ma tête, je sors de compétition. Aujourd'hui, on est le dimanche 14 mai, donc je viens de terminer la compétition d'Olinville, donc la dernière compétition de l'année, celle qui va vraiment clôturer la saison pour nous. Mais j'en profite pour vous faire ce petit débrief de Marseille, parce que j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Donc, comment s'est déroulée cette compétition, cette fameuse compétition des critériums de Marseille? Déjà, la salle. Immense. Le plafond était très grand, comme on nous l'avait dit en fait. C'était un bloc, donc il n'y avait pas de lumière qui rentrait de l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. C'était hyper impressionnant parce qu'effectivement on se sentait petit sur la piste. La piste d'ailleurs qui était très très bien, c'était du parquet posé vraiment sur la piste, sur le sol du gymnase. Incroyable, légèrement surélevé, c'était comme une estrade, c'était vraiment bien. Ça permettait de bien glisser en latine, bien glisser en standard, pas trop. Vraiment ce qu'il fallait, très agréable. Il y avait toutes les tables autour, il y avait, comme vous l'avez vu sur la vidéo, des grands tissus qui indiquaient championnat de France latine et standard, etc. Donc ils avaient fait les choses en grand et c'était hyper appréciable parce que ça change des petites compétitions de proximité auxquelles j'ai l'habitude. Donc pour rappel, les compétitions de proximité, c'est les compétitions qui vont réunir 2, 3 ou 4 régions. On est 3 dans notre série, dans notre catégorie, il y a 12 adultes maximum en demi-finale d'Open, donc voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de monde, là pour le coup il y avait du monde à gogo. L'avantage c'est qu'il y a beaucoup plus d'ambiance, qu'il y a des personnes qui sont là pour te soutenir, etc. Et ça fait beaucoup plus compétition officielle, de danse sportive, etc. L'inconvénient, je trouve, à mon sens, c'est que c'est moins familial. Et vu que j'ai été habituée pendant 2 ans aux compétitions de proximité très familiales où les juges te connaissent, le présentateur te connaît, il peut faire une petite blague sur toi, il peut t'appeler au micro, venir te dire bonjour, etc. Et voilà, là il n'y avait pas cette place à la familiarité, il n'y avait pas cette place aux blagues, etc. Donc bah, c'est une compétition officielle, c'est un événement officiel, etc. Donc c'est totalement compréhensible. Mais moi ça me manque un petit peu. Après, pour parler de nos danses, personnellement, j'étais assez mitigée. Le jour J, c'était très difficile de me mettre dans l'ambiance de la compétition. J'avais cette impression que j'étais pas en compétition. Alors que pourtant, vous avez vu les images, je veux dire, c'était incroyable. La salle était folle, le public était chaud. Fin... Et pourtant, j'arrivais pas à me mettre dedans. Ce qui fait que, à mon sens, j'ai pas hyper bien dansé. J'avais du mal à rentrer dans les danses, j'avais du mal à tout donner, à sourire, à vraiment être expressive. Mais on a quand même fini 3e sur 5 aux compétitions à points DE en standard et 8-9e sur 14 aux compétitions à points latines. Donc cette place de 8-9e, sur le coup, ça m'a mis un sacré choc. Bah, je m'y attendais pas. Parce qu'en F, j'ai tout le temps fini première. En E, jusqu'ici, j'avais été beaucoup dans le haut du classement. Et là, 8-9e. Mais en fait, en regardant les marques et en regardant le niveau de nos concurrents, bah c'était des bons danseurs, quoi. En fait, ils avaient énormément de niveau, c'était des D, c'était pas des E comme nous. Et c'est surtout que c'était des sudistes.
des personnes qui venaient du sud que je n'avais jamais rencontrées, parce que nous on fait nos compétitions de proximité à Paris, à Reims, à Rouen, etc. Et eux ils font dans le sud, Toulouse, Marseille, Muret, Aubagne, Villeurbanne, voilà. Nous on fait pas tout ça, donc on s'était jamais rencontrés, donc en fait je ne connaissais pas leur niveau, je ne connaissais même pas leur visage ou leur nom. Et c'est bien dommage. Moi, je trouve qu'on doit faire plus de compétitions où on mixe le nord et le sud de la France. Mais de ce fait, en regardant les marques, donc les résultats, le 8-9e était mérité. C'est pas qu'on a mal dansé, on aurait pu faire mieux, mais c'est que nos concurrents étaient très forts. Il y en a qui étaient à la limite d'être des C, en fait. Ils étaient à la fin de leur année de D, on sentait qu'ils allaient passer en C. Donc bon, ça fait du challenge, c'est cool. Donc ça, c'était pour les compétitions à points, le matin, les critériums, le plus important. Ensuite, on a eu l'open des critériums. On a eu une demi-finale où on était 11, et là, c'est un open DEF. Donc pas de série libre, pas de A, B ou C, parce que quand t'as un B qui passe en furie à côté de toi en quick step avec ses scatters chassés, toi, tu fais pas le malin avec tes trois pas de base. Donc on en a profité pour, vu que c'est un open, tout lâcher. On s'en fiche du résultat, on a fait nos résultats le matin, c'est très bien, c'est ce qui compte maintenant. Que du kiff. Et à l'open, on est passé de demi-finale en finale en standard. On a fini 5e sur 11, ce qui est quand même un beau résultat, sachant que devant nous, il n'y avait que des personnes qui nous avaient déjà battus, sauf un couple, un F, mais un très bon F. Quant aux latines, on a démarré à 22 danseurs, donc on était 11 sur piste, on a fait deux passages et on a terminé 8-9e encore. On s'est rendu compte que les personnes qui étaient au-dessus de nous étaient encore une fois beaucoup plus fort. Sur le coup, encore une fois, j'ai eu un choc. Je vous mens pas, ça a été très très difficile pour moi parce que j'avais perdu déjà le matin. Perdu, à mon sens, on s'entend. C'est pas qu'on a perdu, c'est que j'étais pas contente de nous, j'étais pas contente des résultats, etc. Mais j'avais pas encore eu le détail des marques. Donc là, encore un 8-9e, je me suis dit, mais c'est pas possible. On est nul à ce point. Je l'ai vraiment pensé. Et en fait, non. C'est juste qu'en face, c'était leur dernière compétition de D. Donc forcément, ils étaient à ça de passer en C, donc forcément, ils sont meilleurs. Enfin, c'est logique. Le plus important, c'est de battre les personnes qu'on bat d'habitude et d'être content de nos danses. Donc voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire sur cette compétition. J'espère que cette vidéo, malgré le fait qu'elle ait été un peu plus courte que attendue, vous a plu quand même. J'ai essayé de condenser un maximum de choses. J'ai pas pu rester jusqu'à la fin de la compétition parce que j'allais rater mon train. Je suis trop deg, parce que du coup j'ai raté le défilé. Le défilé, c'est l'ouverture de la soirée, et tous les couples qui sont passés en demi-finale défilent en fait. Donc je vais vous mettre une vidéo, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Il y a une personne qui était sur place qui a filmé. C'est incroyable en fait, t'as tous les couples qui défilent, des bébés aux seniors 4. Donc c'est magnifique. Ils sont tous en robe, vraiment c'est trop beau. Pour cette occasion, je me suis faite coiffer par Beauty House, le stand de Amirana et d'Imira. Et du coup, ça donne ça. Donc pareil, je vous mets la vidéo, c'est plus simple. Si j'avais demandé des tresses qui remontaient pour fermer un chignon en haut, la coiffure était incroyable. Donc franchement, je vous recommande leur service x1000. Il y a d'autres services de coiffure, mais moi, j'ai testé que celui-là pour le moment. Et je pense que je testerai d'autres services, mais pour des compétitions qui ne sont pas des compétitions de proximité. Parce que quand c'est à proximité, c'est ma mère qui me coiffe, et c'est très bien comme ça. Et quand c'est des compétitions, championnat de France, critérium, etc. Là oui, on peut mettre le budget. Je vous fais de gros bisous, je vous ai filmé la compétition d'Olinville qui s'est déroulée aujourd'hui. Je vous poste tout ça au plus vite. Et on se voit bientôt. Salut !